Confiant cette soirée, Seigneur Père, notre Dieu, nous voulons exposer encore nos vies. Nous voulons, Seigneur, nous exposer à la lumière de ta parole. Enseigne-nous, Seigneur, tes voies. Enseigne-nous, Seigneur, ta parole. Père, merci pour la soif que ton esprit, Seigneur, crée en nous. La soif de ta parole, la soif de ton esprit, la soif de la prière, la soif de ta personne. C'est toi, Seigneur, qui produis en nous le faire, le vouloir, Seigneur. Le Saint-Esprit, Seigneur, nous est indispensable. Père, au nom de Yeshua. Pierre, elle est où? Ça va, tu peux te lever, s'il te plaît? Ça va mieux ton bras là? Oui. Il n'y a plus rien? Non. Tu peux? Alléluia. Merci. Voir dans 1 Corinthiens, chapitre 10. Nous lisons à partir du verset 1er. Frères, je ne veux pas que vous ignoriez que nos pères ont tous été sous la nuée, qu'ils ont tous passé au travers de la mer, qu'ils ont tous été baptisés à Moïse dans la nuée et dans la mer, qu'ils ont tous mangé le même aliment spirituel et qu'ils ont tous bu le même breuvage spirituel, car ils buvaient à un rocher spirituel qui les suivait, et ce rocher était Christ. Mais la plupart d'entre eux ne furent point agréables à Dieu, puisqu'ils périrent dans le désert. Or, ces choses sont arrivées pour nous servir d'exemple, afin que nous n'ayons pas de mauvais désir comme ils en ont eu. Ne devenez point idolâtres comme quelques-uns d'entre eux, selon qu'il est écrit. Le peuple s'assit pour manger et pour boire, puis ils se levèrent pour se divertir. Ne nous livrons point à la débauche comme quelques-uns d'entre eux s'y livrèrent, de sorte qu'il en tomba 23 000 en un seul jour. Ne tentons point le Seigneur comme le tentèrent quelques-uns d'entre eux qui périrent par les serpents. Ne murmurez point comme murmurèrent quelques-uns d'entre eux qui périrent par l'exterminateur. Ces choses leur sont arrivées pour nous servir, pour servir d'exemple. Et elles ont été écrites pour notre instruction, à nous qui sommes parvenus à la fin des siècles. On va parler un peu de... même beaucoup... De Balaam, de Balak, des Israélites, des Moabites. Et l'apôtre Paul nous apprend ici que les Écritures ont été écrites, et particulièrement les erreurs des Hébreux. Leur péché, la manière dont ils s'étaient détournés du Seigneur, toute leur histoire, en gros, l'histoire juive, a été, le Dieu, notre Père, a voulu que cette histoire soit écrite pour nous servir, premièrement, d'exemple. Pour aussi notre instruction, à nous qui sommes parvenus à la fin du siècle. Pourquoi? Parce que l'histoire se répète. Ecclésiaste nous apprend qu'il n'y a rien de nouveau sur terre. Ce qui existe a déjà été. Les choses que vous rencontrez, les difficultés liées à la marche chrétienne, on n'est pas les premiers à les rencontrer. Il y a déjà des personnes qui nous ont précédés, notamment les Hébreux,
par nos grands frères dans la foi, Paul, Pierre, Jacques et Jean, nos pères. Mais avant eux, il y a eu plein d'autres qui ont vécu les mêmes difficultés, qui ont connu les mêmes difficultés que les apôtres, que nous autres. Et l'instruction. Ecclésiaste nous dit que l'enfant doit être instruit selon la voie qu'il doit suivre. Et quand il sera âgé, il ne va pas s'en détourner. Nous sommes tous concernés par l'instruction. Mes amis, croyez-moi, nous avons tendance à oublier que ce livre est toujours d'actualité. Parce qu'il arrive un moment dans la vie chrétienne où on a l'impression que certaines choses ne nous concernent pas. Et dans la Bible, nous avons deux types d'assemblées. Il y en a, on peut dire plusieurs, mais deux types. Deux assemblées principales que Dieu avait mises en place. La première assemblée, c'est Israël. Dieu a appelé ce peuple hors de l'Égypte. Ça, c'est l'image de l'Église. Le peuple juif était sorti par le Seigneur de l'Égypte. Et Paul nous apprend que la traversée de la mer Rouge n'était rien d'autre que le baptême, l'image du baptême d'eau. Et le fait que ce peuple était dirigé par une colonne de feu, par cette nuée, est également, n'est-ce pas, l'image, cette colonne de feu était l'image du Saint-Esprit, du baptême de l'Esprit. N'est-ce pas? Donc, ça c'était la première église, la première assemblée, le premier, n'est-ce pas, ecclésia. Et ce qui s'est passé avec ses frères et sœurs qui nous ont précédés, les difficultés qu'ils ont rencontrées, mes amis, nous les rencontrons pareillement. Nous avons Moïse qui est l'image de Christ, donc Moïse. Aaron, le souverain sacrificateur, l'image de Christ également, qui est sacrificateur selon l'ordre de Melchisédek. Les sacrificateurs descendants d'Aaron, parce qu'on ne pouvait pas être sacrificateur, comme vous le savez, si on n'était pas fils d'Aaron, descendant d'Aaron. Donc, ces sacrificateurs sont l'image de saints, de chrétiens que nous sommes. La parole nous dit que nous sommes tous un peuple, n'est-ce pas, composé des rois et des sacrificateurs, hein, Apocalypse. Et voyez maintenant la marche dans le désert, cette marche qui a duré 40 ans. Eh bien, c'est la même chose que nous vivons, la même marche, la marche chrétienne. Dieu aurait pu faire passer les Israélites de l'Égypte à Canaan en 3 jours. Il y avait un raccourci. Mais selon Deutéronome 8, il est dit que Dieu a fait exprès de, n'est-ce pas, rallonger la marche des Juifs dans le désert afin de révéler l'état de leur cœur. Parce qu'il fallait qu'ils le préparent à posséder, n'est-ce pas, la terre de Canaan. Dieu devait les préparer. Vous savez, quand Dieu nous sort du monde, il ne va pas tenter de nous confier des belles choses, hein. Notamment un appel, un ministère bien spécifique. Il nous sort du monde. On est chrétien, on est disciple, mais il doit nous préparer. Parce que nos cœurs sont encore liés, attachés aux choses. Au niveau de l'esprit, nous sommes délivrés, certes. Nous sommes délivrés des liens familiaux, ancestraux. Mais au niveau de l'âme, il y a encore des choses qui sont là. Les émotions, les sentiments. Donc, maintenant, il doit nous tailler. Vous comprenez pourquoi quand on est converti, on n'est pas tout de suite enlevé au ciel. Non. Vous savez, Dieu tarde encore avant de revenir parce qu'il doit nous préparer. Si le Seigneur nous enlevait après notre conversion, ce serait beaucoup plus facile pour certains. Donc, il doit nous préparer. Et c'est la même chose que Dieu a opéré avec les Hébreux. La même chose, bien avant nous. Il n'a pas changé de méthode. Non. Et ils sont sortis de l'Égypte. Vous allez voir que
Physiquement, ils étaient sortis. Mais au niveau de la mentalité, sur le plan spirituel, sur le plan émotionnel, n'est-ce pas, l'Égypte était encore là. La preuve, hein? Dieu enlève Moïse pendant 40 jours. Et on a vu ce qui s'est passé. Le peuple, nous dit Paul ici, va s'asseoir, va se divertir, danser, chanter. Et le peuple poussera même Aaron, comme vous le savez, selon Deutéronome 32, à leur fabriquer un veau d'or. Et Aaron également a cédé à la pression du peuple. Ils ont vu des veaux d'or en Égypte. Et ils ont voulu reproduire, ils ont reproduit la même divinité dans le désert, alors qu'ils n'étaient plus en Égypte. Et rappelez-vous bien que quand ils sont sortis de l'Égypte, il y avait également, n'est-ce pas, des Égyptiens, d'autres peuples qui s'étaient attachés à eux. Oh oui, la mauvaise compagnie. Voyez, et Dieu voyait tout ça. Et il fallait que toutes ces choses sortent. Parce que les Cananéens étaient aussi des grands idolâtres. Et le Seigneur voulait que son peuple soit délivré totalement de l'idolâtrie. Totalement des faux dieux. Et vous avez vu les difficultés auxquelles ce peuple était soumis. Frère, il y a eu des moments où il n'y avait plus d'eau. À deux reprises, le peuple a eu soif. Il fallait de l'eau. Vous imaginez le désert, dans un désert. Il fait très chaud. Il y a des serpents, mes amis, venimeux. Et il y a un vent qui souffle, des tempêtes de sable. Et il n'y a pas eu d'eau. Et le peuple a eu des moments où, le peuple avait besoin de manger autre chose que de la manne. Donc ce peuple, vous imaginez pendant 40 ans, ces frères et sœurs qui nous ont précédés étaient soumis, mes amis, à une formation très très rude, à des rudes épreuves. Mais cela était nécessaire pour leur transformation au niveau de la mentalité, au niveau de l'âme. De la même manière, quand un enfant vient au monde, l'enfant va naître, on va couper le cordon ombilical, bien sûr. Il n'y a plus de dépendance physique vis-à-vis de la mère. Mais, on va éteindre les portables, s'il vous plaît. Mais cet enfant a besoin de subir, a besoin d'un suivi particulier parce que son corps doit subir une transformation. Une transformation tant sur le plan physique que sur le plan, mes amis, spirituel, sur le plan psychologique. Cet enfant doit être éduqué. Sinon, si vous donnez naissance à un enfant et vous le laissez comme ça tout seul, cet enfant se détruira. Et c'est la même chose que Dieu fait avec nous. Il sort les enfants d'Israël de l'Égypte et il fallait qu'il les travaille. Alléluia. Alors, ils étaient soumis à quoi? Ils étaient soumis à tout un tas de choses, ils étaient soumis à diverses tentations. Pourtant, ils étaient baptisés d'eau et du Saint-Esprit. Alors, justement, nous sommes dans le livre de Nombres. Nombre, chapitre 22. Chapitre 22, nous lisons à partir du verset 22. À partir du verset 1er, pardon, on va beaucoup lire. Alors, ce livre est particulier dans le sens où il nous parle particulièrement de la marche des Hébreux dans le désert. Et
Si vous voulez comprendre un peu un conseil, la marche chrétienne. Qu'est-ce que la marche chrétienne? Pourquoi il y a autant de difficultés dans votre marche chrétienne? Lisez aussi beaucoup l'histoire de le livre de Nombres. Et les Hébreux, quand ils sont sortis de l'Égypte, comme je vous le dis, ils devaient marcher pendant 40 ans. Pendant 40 ans, il n'y avait pas de médecin, pas de cordonnier, Dieu le dit. Hein. Donc, pas de dentiste, pas d'ophtalmo. Et Dieu était tout pour eux. Ils étaient totalement dépendants du Seigneur. Ils devaient l'être. Ils étaient censés l'être. Parce que non, ils ne voulaient pas. Et on nous dit que les enfants d'Israël partirent et ils campèrent dans les plaines de Moab, au-delà du Jourdain, vis-à-vis de Jéricho. Donc ils sortent de l'Égypte, ils vont marcher un peu, et puis ils vont arriver dans le pays de Moabites. Alors, les Moabites, selon Genèse 19, les Moabites et les Ammonites étaient des enfants descendants de Lot et de ses deux filles. Quand Lot est sorti de Sodome et Gomorrhe, ces deux filles se sont dit, alors qu'ils étaient tous les trois, n'est-ce pas, dans les montagnes cachées dans un creux de montagne, ces deux filles se sont dit, il n'y a pas d'homme avec nous. Alors enivrant notre père et allant avec lui afin de lui donner, n'est-ce pas, une postérité. Donc on sait déjà que les Moabites étaient un peuple issu, n'est-ce pas, d'un inceste, un peuple incestueux. Donc vous voyez déjà, il y avait déjà cette malédiction qui était là. Et c'était un peuple qui a beaucoup combattu les Hébreux. Une race maudite. C'est la même chose que vous rencontrez dans la vie chrétienne. Vous sortez du monde. Jésus vous appelle à lui. Vous l'avez reçu dans votre cœur comme votre Seigneur et Sauveur. C'est bien. Mais vous aurez affaire à des Moabites. Oh oui. Sinon, ce serait trop facile. Que vous ayez reçu, n'est-ce pas, la vie, alors que vous avez reçu la vie éternelle, que vous soyez tranquille, en repos, sans combat, sans difficulté. C'est trop facile. Je ne parle pas de ceux qui pêchent et qui souffrent à cause de leur péché, qui subissent les conséquences de leur péché. Là, il n'y a qu'une attitude, c'est de s'humilier, de demander pardon au Seigneur pour ne pas tomber dans l'incrédulité et être disqualifié. Je parle de la souffrance liée à une vie sanctifiée. Et là, le peuple sort, arrive, n'est-ce pas, au-delà du Jourdain vis-à-vis de Jéricho. Balak, fils de Tzippor, vit tous ce qu'Israël avait fait aux Amoréens. Et Moab fut très effrayé en face d'un peuple aussi nombreux, et il fut saisi de terreur en face des enfants d'Israël. Donc voyez, tant que vous craignez Dieu, votre présence aura deux conséquences. Soit les gens viennent vers vous, se donnent au Seigneur, changent de mentalité, ou soit les gens seront saisis de crainte, de terreur, et vont vous fuir. Vous avez vu hier la sœur qui était malade, comment le démon ne pouvait pas m'approcher. C'est pas parce que je suis fort, non, c'est parce que quelqu'un en moi est saint. Il y a quelqu'un qui est en moi qui est saint. Donc la terreur, les démons ont peur quand c'est comme ça. Donc ici, le peuple d'Israël craignait encore le Seigneur. Donc la présence de ce peuple semait la panique, la terreur chez ses ennemis. Et d'ailleurs, ici, Balak nous dit la parole, s'est souvenu de la défaite qu'avaient subie les Amoréens face aux Hébreux. Donc il se dit, il a fait la déduction, c'est-à-dire ce peuple, s'est-il dit, va automatiquement, donc forcément, n'est-ce pas, m'humilier, s'emparer de mon pays. Et Balak se dit, non. Alors Moab dit aux anciens de Madian. Donc vous voyez, il y a une association, les Madianites. Donc Moab et Madian sont les deux enfants que l'homme a eu avec ses filles. Donc il y a vraiment ces deux peuples étaient à chaque fois, n'est-ce pas, il y avait une alliance entre les deux. Et les deux peuples combattaient effectivement
énormément les Juifs. Cette multitude va dévorer tout ce que nous avons, tout ce qui nous entoure, comme le bœuf broute la verdure des champs. Balak, fils de Tzippor, était alors roi de Moab. Il envoya des messagers auprès de Balaam, fils de Béor, à Pétor sur le fleuve, dans le pays de fils de son peuple, afin de l'appeler et de lui dire, « Voici, un peuple est sorti d'Égypte, il couvre la surface de la terre et il habite vis-à-vis de moi. Viens, je te prie, maudis-moi ce peuple, car il est plus puissant que moi. » Il reconnaît que les Hébreux étaient plus puissants que lui. Et de la même manière que les inconvertis, les hommes de ce monde, ceux qui ont, mes amis, de l'intelligence démoniaque, des yeux démoniaques, quand ils nous voient, ils savent que nous sommes plus forts qu'eux. N'est-ce pas? Alors, Balak fait appel à un devin, à un prophète, un homme de Dieu, à l'époque, Balaam. Et il invite afin qu'il vienne maudire ce peuple au nom de Yahvé. Car il est plus puissant que moi, peut-être ainsi pourrais-je le battre et le chasserai-je du pays, car je sais que celui que tu bénis est béni et que celui que tu maudis est maudit. Les anciens de Moab et les anciens de Madian partirent, ayant avec eux des présents pour le devin. Ils arrivèrent auprès de Balaam et lui rapportèrent les paroles de Balak. Balaam leur dit, « Passez ici la nuit et je vous donnerai réponse d'après ce que me dira l'Éternel. » Et les chefs de Moab restèrent chez Balaam. Dieu vint à Balaam et dit, « Qui sont ces hommes qui sont chez toi ?» Balaam répondit à Dieu, « Balak, fils de Tzippor, roi de Moab, les a envoyés pour me dire, « Voici, un peuple est sorti d'Égypte et il couvre la surface de la terre. Viens donc, maudis-le. Peut-être ainsi pourrais-je le combattre et le chasserai-je ?» Dieu dit à Balaam, « Tu n'iras point avec eux. Tu ne maudiras point ce peuple car il est béni. » Vous voyez que ce peuple était béni. Pourquoi? Parce que Dieu était encore en son sein. Dieu était au milieu de ce peuple. Donc forcément, il y avait la bénédiction, la protection, l'assurance. Tant que tu craindras le Seigneur, tu seras béni. Et vous savez, la bénédiction ici n'a rien à voir avec le matériel, vous comprenez? Non, ce peuple était dans le désert. Il n'avait pas de lit, je ne sais pas comment, de lit moelleux, il n'y avait pas de fauteuil moelleux, il n'y avait pas de costume et cravate. Ils avaient même, beaucoup parmi eux, ils n'avaient même pas de paire de chaussures. Donc vous voyez que, et c'est écrit dans la Bible, Dieu dira même que vos chaussures ne sont pas usées pendant 40 ans. Donc vous voyez que la bénédiction ici, c'est autre chose, n'a rien à voir avec, mes amis, les choses de ce monde. C'est la paix, c'est la protection que Dieu peut nous accorder, et par-dessus tout, c'est la vie éternelle. Amen. Alléluia. Amen. Alors, la Bible nous dit, Dieu dit que ce peuple est béni. Balaam se leva le matin et il dit au chef de Balak, « Allez dans votre pays, car l'Éternel refuse de me laisser aller avec vous. » Et les princes de Moab se levèrent, retournèrent auprès de Balak et dirent, « Balaam a refusé de venir avec nous. » Balak envoya de nouveau les chefs en plus grand nombre et plus considérés que les précédents. Ils arrivèrent auprès de Balaam et lui dirent, « Ainsi parle Balak, fils de Tzippor, que l'on ne t'empêche donc pas de venir vers moi, car je te rendrai beaucoup d'honneur et je ferai tout ce que tu me diras. Viens, je te prie, maudis-moi ce peuple. » Le problème de Balak, c'était quoi? Que ce peuple sorte de la bénédiction. C'était son problème. Et il savait que si ce peuple était sorti de la bénédiction, qui est Dieu lui-même, il serait ce peuple fragile. Vous comprenez? De la même manière qu'il a dit au Père, si tu es protégé par Dieu à cause de ta vie sanctifiée, parce que tu as accepté de marcher selon sa parole, l'ennemi, avant de t'atteindre, il va d'abord te pousser au péché. Il va d'abord te sortir de la présence de Dieu afin de pouvoir t'atteindre. Et si tu sors, après avoir vécu des grandes choses,
tu peux même être complètement destiné à l'enfer. Parce que là, c'est l'aveuglement, c'est la mort, c'est fini. Oh oui, tu peux te destiner toi-même. Et le problème de Balak, c'était la malédiction. Il fallait que ce peuple soit maudit. Alors, on nous dit. Donc, il propose beaucoup d'honneur, bien sûr, au prophète. Qui n'aime pas les honneurs, frère? La chair aime ça. Vous avez vu tous ces pasteurs qui font allégeance au roi, au président? Vous le savez, n'est-ce pas? Qui sont là, qui sont à quatre pattes pour avoir les honneurs reconnus à leur juste type, valeur. Oh Seigneur, aide-nous. Balak répondit et dit au serviteur de Balak, quand Balak me donnerait sa maison pleine d'argent et d'or, je ne pourrais faire aucune chose, ni petite ni grande, contre l'ordre de l'Éternel, mon Dieu. Pourtant, il va changer, vous allez voir. Alléluia. Amen. Parce qu'on n'a pas encore, quand on n'a pas encore vu l'or, on peut dire non, je ne le prendrai pas. Mais il faut le voir d'abord l'or. Et résister maintenant. Alléluia. Alors, maintenant, je vous prie, restez ici cette nuit et je saurai ce que l'Éternel me dira encore. Vous voyez, quelque part, il était déjà séduit. Dieu lui avait déjà dit, tu ne pars pas. Logiquement, il devait s'en tenir là et dire au deuxième, au deuxième groupe d'anciens de Moab et de Madian, que Dieu m'a déjà interdit d'y aller. Donc, c'est réglé pour moi. Il faut vous arrêter à ce que Dieu vous a dit au départ. Parce que beaucoup de chrétiens cherchent des confirmations. Seigneur, confirme-moi encore que quelque part tu es séduit. Non, Seigneur, tu m'as dit, c'est vrai que j'ai eu un songe, que ce n'est pas la vraie personne pour moi, la vraie. Mais quand même, confirme-moi, quelque part, tu es déjà amoureux. Alléluia. Amen. Et Dieu vint à Balaam pendant la nuit et lui dit, puisque ces hommes sont venus pour t'appeler, lève-toi, va avec eux, mais tu feras ce que je te dirai. Balaam se leva le matin selon cela son ânesse et partit avec les chefs de Moab. La colère de l'Éternel, la colère de Dieu s'enflamma parce qu'il était parti, et l'ange de l'Éternel se plaça sur le chemin pour lui résister. Balaam était monté sur son ânesse et ses deux serviteurs étaient avec lui. Dieu l'a mis à l'épreuve et il n'a pas résisté. Voyez, l'ânesse vit l'ange de l'Éternel qui se tenait sur le chemin, son épée nue dans la main. Elle se détourna du chemin et alla dans les champs. Balaam frappa l'ânesse pour la ramener dans le chemin. L'ange de l'Éternel se plaça dans un sentier entre les vignes. Il y avait un mur de chaque côté. L'ânesse vit l'ange de l'Éternel. Elle se serra contre le mur et pressa, n'est-ce pas, le pied de Balaam contre le mur. Balaam la frappa de nouveau. L'ange de l'Éternel passa plus loin et se plaça dans un lieu où il n'y avait point d'espace pour se tourner, détourner à droite ou à gauche. L'ânesse vit l'ange de l'Éternel et s'abattit sous Balaam. La colère de Balaam s'enflamma et il frappa l'ânesse avec un bâton. Dieu ouvrit la bouche de l'ânesse et elle dit à Balaam, que t'ai-je fait pour que tu m'aies frappé déjà trois fois? La seule fois où on a vu un animal parler dans la Bible, c'était avec Lucifer, le serpent. Le serpent était le plus rusé de tous les animaux de champ que l'Éternel Dieu avait fait. Et il dit à la femme, Dieu a-t-il réellement dit? On ne parle pas avec un animal. On ne discute pas avec les hommes animaux. La personne nous dit qu'il y a trois types d'hommes, hein? L'homme charnel, l'homme spirituel et l'homme animal. Alors, tiens deux. Vous vous rendez compte que Balaam était tellement dans la colère, était tellement, mes amis, coléreux. Il s'est dit que mes ânesse veut me sortir de ma bénédiction. Veut m'empêcher d'aller à la source de ma richesse. Dieu, pour te protéger, peut faire, mes amis, pour ouvrir, n'est-ce pas, il peut même faire parler les animaux. Il est capable de tout. Et vous savez, pendant ce temps-là, les Hébreux ne savaient même pas ce qui se tramait. Non. Tel que tu es là, il y a des gens qui font des complots contre toi alors que tu dors tranquillement. Il y a des gens, des hommes comme toi et moi, des ennemis. Il y a aussi des satanistes.
Il y a aussi les amis, les démons, Satan lui-même en personne, qui font des projets matin, midi, soir sur ta vie, tes enfants, ton couple, alors que toi, tu es au courant de rien de tout ça. Oh, si Dieu nous ouvrait les yeux pour entendre tout ce qui se passe, je crois que beaucoup pleureraient chaque jour. Le peuple, entre-temps, continue sa marche normalement. Alléluia. Amen. Alors, Balaam trouve naturel qu'une ânesse parle. Tellement qu'il était en colère. Il n'a même pas réagi. Il est étonné pour dire, oh là, qu'est-ce qui m'arrive là? Non, 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 il répond naturellement. Et qu'est-ce qu'il lui répond? L'ânesse a eu la grâce d'avoir le don de vision et le don de prophétie. Elle a vu et elle a parlé. Alléluia. Amen. Ne suis-je pas ton ânesse que tu es de tout temps monté jusqu'à ce jour? Ai-je l'habitude de te faire ainsi? Il répondit en fait naturellement, non. L'Éternel ouvrit les yeux de Balaam et Balaam vit l'ange de l'Éternel qui se tenait sur le chemin, son épée nue dans la main. Et il s'inclina et se prosterna sur son visage. L'ange de l'Éternel lui dit, pourquoi as-tu frappé ton ânesse déjà trois fois? Voici, je suis sorti pour te résister, car je te vois suivre un chemin qui mène à la perdition. Voilà, donc la voie de Balaam mène à la perdition. Oh oui, le peuple, souvenez-vous de ceci, le peuple a été libéré par Moïse. Dieu l'a envoyé pour libérer ce peuple, dans le but de l'amener à Canaan. Voilà le chemin, Canaan. Pour nous, Canaan, c'est le ciel. Pour nous, Paul dit, nous sommes citoyens des cieux. Oh oui, il ne faut jamais perdre de vue le ciel, frère. Sinon, on va partir en vrille. On va quitter le chemin. Balaam avait son chemin. Et son chemin mène à la perdition. Sa voie conduit à la perdition. Son chemin conduit à la richesse de ce monde. Son chemin conduit aussi à la débauche, on va le voir, à l'idolâtrie. Voilà pourquoi Dieu l'a résisté. Ça veut dire que Dieu, pour te résister, il peut se servir des gens qui paraissent comme animaux, comme cette ânesse. Tout simplement pour te dire maintenant là, arrête-toi. Comment toi tu peux me parler comme ça? Oui, mais Dieu a vu ta démence. Dieu, mes amis, est capable de tout. Quel est le chemin que tu suis depuis 2 ans, 3 ans, 4 ans? Quel est ce chemin que tu empruntes? Dans les coulisses, personne ne te voit. Dans le secret, tu es là, tu vas voir un homme pensant que personne ne te voit. Tu vas voir une femme pensant que personne ne te voit. Quel est ce chemin que tu suis? Ce chemin te conduira à la destruction, à la mort, d'abord à la maladie. Tu peux attraper une maladie. Tu peux attraper des malédictions. Tu peux, n'est-ce pas, perdre ta femme, perdre ton mari, perdre tes enfants. Tu peux te retrouver complètement seul. Parce que le péché détruit aussi bien le physique que l'esprit de l'homme, son âme. Et ce chemin te conduira par la suite à la mort éternelle. La seconde mort. Est-ce que tu vois tes enfants appeler quelqu'un d'autre, papa, maman? Non. Voilà le chemin du péché. Tu vas partager tes enfants avec un autre homme, avec une autre femme. Si tu continues comme ça. Alors, le chemin de Balaam. Il y a plusieurs chemins. Oh oui. Il y a le chemin de Balaam, il y a la voie et le chemin de Caïn, n'est-ce pas? Et il y a un seul chemin qui mène à Dieu. Et c'est un chemin qui est la porte est resserrée, le chemin est vraiment étroit, la porte est étroite. Hein. Et voilà, c'est la persécution, c'est la sanctification. Et très peu de gens cherchent ce chemin, veulent passer par ce chemin. C'est dur. Alors, on nous dit, mes amis, l'ânesse m'a vu et elle s'est détournée devant moi déjà trois fois.
si elle ne s'était pas détournée de moi, je t'aurais même tué. Et je lui aurais laissé la vie. Balaam dit à l'ange de l'Éternel, j'ai péché car je ne savais pas que tu étais placé devant, au devant de moi, sur le chemin. Et maintenant, si tu me désapprouves, je m'en retournerai. L'ange de l'Éternel dit à Balaam, va avec les hommes, mais tu ne feras que répéter les paroles que je te dirai. Et Balaam alla avec les chefs de Balak. Balak apprit que Balaam arrivait, et il sortit à sa rencontre jusqu'à la ville de Moab, qui est sur la limite de l'Arnon, à l'extrême frontière. Balak dit à Balaam, n'ai-je pas envoyé des messagers auprès de toi pour t'appeler? Pourquoi n'es-tu pas venu vers moi? Ne puis-je donc pas te traiter avec honneur? Balaam dit à Balak, voici, je suis venu vers toi. Maintenant, me sera-t-il permis de dire quoi que ce soit? Je dirai les paroles que Dieu mettra dans ma bouche. Balaam alla avec Balak et ils arrivèrent à Kirja Hutson. Balak sacrifia des bœufs et des brebis et il envoya à Balaam et au chef qui était avec lui. Donc ils ont fait la fête. Le matin, Balak prit Balaam et le fit monter à Bamoth Baal, d'où Balaam vit une partie du peuple. Alléluia. Regardez ici, c'est une belle histoire. Le Seigneur me parlait de cette histoire cet après-midi, pendant que je priais, je me disais, waouh, quelle vérité spirituelle, quelle réalité spirituelle, Seigneur, pour ton église. Il y a eu trois lieux, il y a eu trois endroits qui ont été choisis par Balak pour sacrifier des animaux à Dieu dans le but d'obtenir une malédiction sur les Hébreux. D'abord, Bamoth Baal, c'est le premier lieu qui signifie le lieu le plus élevé pour Baal. Et il fallait maintenant invoquer, n'est-ce pas, non le Dieu de la Bible. Parce qu'il pensait servir Dieu ici. Il pensait sacrifier Dieu au Seigneur, pardon. Mais en fait, c'était carrément Baal. Donc, le lieu, Bamoth, c'est le lieu élevé. Il y avait des hauts lieux à l'époque. Donc, ils sont allés au sommet de cette montagne. Et de là, Balaam avait une bonne vue sur ce peuple, sur l'assemblée d'Israël, sur le camp des Hébreux. Et il a vu une grande partie. Et il fallait maintenant maudire le peuple à cet endroit-là. Et le chapitre 23, Balaam dit à Balak, bâtis-moi ici cet autel et prépare-moi ici cet taureau et cet bélier. Et lui, combien donc déjà, cet taureau et cet bélier, donc 14 animaux qui ont été sacrifiés à cet endroit. Et n'est-ce pas? Et Balaam dit à Balak, tiens-toi près de ton holocauste. Et je m'éloignerai, peut-être que l'Éternel viendra à ma rencontre. Je te dirai ce qu'il me dira, ce qu'il me révélera. Et il alla sur un lieu élevé. Dieu vint au devant de Balaam et Balaam lui dit, j'ai dressé cet autel et j'ai offert un taureau et un bélier sur chaque autel. L'Éternel mit des paroles dans la bouche de Balaam et dit, retourne vers Balak et tu parleras ainsi. Il retourna vers lui et voici Balak se tenait près de son holocauste, lui et tous les chefs de Moab. Balaam prononça son oracle et dit, Balak m'a fait descendre d'Aram. Le roi de Moab m'a fait descendre des montagnes de l'Orient. Viens, maudis-moi Jacob. Viens, sois irrité contre Israël. Comment maudirais-je celui que Dieu n'a pas maudit? Comment serais-je irrité quand l'Éternel n'est point? Il y a un problème. Ils ont adressé sept autels sur le lieu le plus élevé. Un lieu consacré à un démon, Baal. Baal, dieu des mouches, dieu de la pluie. Mais bien que Baal ait été le dieu principal de ce lieu, cela n'a pas empêché notre créateur de parler à Balaam. Parce qu'il aimait son peuple. Alléluia. Frère, c'est merveilleux.
continue. Il continue, il dit. Je le vois du sommet des rochers. Je le contemple du haut des collines. C'est un peuple qui a sa demeure à part et qui ne fait point partie des nations. Déjà ici, on a compris une réalité spirituelle, c'est que nous, chrétiens, nous sommes dans le monde, mais nous ne sommes pas du monde. Nous sommes un peuple à part. C'est pour ça que Paul disait, ne vous conformez pas, dans Romains 12, au siècle présent. On ne peut pas vivre comme les païens. Les choses que les païens aiment, on ne peut pas les aimer, frère, au point de se perdre. Ce n'est pas possible. Nous sommes étrangers et voyageurs, comme les Hébreux. Un peuple qui a sa demeure à part. Vous comprenez pourquoi les Juifs sont un peuple, constitués un peuple à part. Ah oui. Alors, qui peut compter la poussière de Jacob et dire le nombre du quart d'Israël? Que je meure de la mort de juste et que ma mort, que ma fin soit semblable à la leur. Voilà quelqu'un qui t'a invité pour maudire un peuple et commence maintenant à s'identifier à eux. Demandant même qu'il meure comme les Hébreux. Il estime que la mort des Hébreux était tellement merveilleuse. Effectivement, dans Psaume 116, 10, il est 15, il est dit qu'elle a du prix aux yeux de l'Éternel la mort de ceux qui l'aiment. Alléluia. Parce que le jour de la mort d'un chrétien, ce sont les anges qui viennent chanter et qui le transportent au ciel, frère. Mais si tu es païen, si tu es un converti, tu es pécheur, là tu peux pleurer. Enfin, ta famille peut pleurer parce que là c'est la descente. Alléluia. Balak dit à Balaam, que m'as-tu fait? Je t'ai pris pour maudire mon ennemi et voici tu le bénis. Frère, les gens font des réunions contre toi, mais ils vont se fatiguer. Ils vont te maudire matin, midi, soir, mais ils vont se rendre compte que plus ils te maudissent, plus tu avances. Ils ne vont rien comprendre. Les sorciers peuvent faire des réunions, aller voir des marabouts pour essayer de te voir dans leur miroir magique. Mais rien ne va se passer. Vous savez pourquoi? Parce que tu crains Dieu. Oh oui, frère, je vous assure. Vous savez, au jour d'aujourd'hui, je me dis, tout le monde peut me lâcher. Si Dieu me lâche, j'arrête le ministère. Mais si tout le monde me lâche et que moi je reste avec Dieu, je crains Dieu, je continue à le craindre, frère, Dieu peut susciter des pierres. Amen. C'est ça qu'il faut que chacun comprenne. Il faut être plus avec Dieu qu'avec les hommes. Parce que celui qui est avec Dieu, même quand il est dans un désert, il y a des mouches qui viendront. Jean était dans le désert de Judée, non? Jean-Baptiste, il a prêché, frère. Il a fait quelle affiche? Il avait quel instrument de musique? Quelle chorale? Ni internet. Mais l'onction était telle que, frère, les gens faisaient la queue malgré eux. Donc, je veux que tu comprennes cette réalité. Il faut que tu saches que, tant que tu craindras le Seigneur, tous les complots de tes ennemis ne réussiront jamais. Amen. C'est la même chose que nous subissons. Alors, Balak dit, viens donc avec moi dans un autre lieu d'où tu ne le verras pas. Ben, comme ça, tu pourras bien le maudire parce que tu ne le verras pas. Parce qu'il s'est dit, Balak se dit, si Balaam n'a pas voulu maudire les Hébreux, c'est parce qu'il a vu ce nombre-là, il était impressionné. Donc maintenant, viens dans un autre endroit, là tu ne le verras pas et tu pourras mieux le maudire. Il le mena au camp de Sophim, sur le sommet du Pisca. Il bâtit 7 autels et offrit un taureau et un bélier sur chaque autel. Pisga veut dire division. Division, n'est-ce pas, tout simplement. Donc la deuxième attaque, ça c'est le deuxième lieu où... cet hôtel ont été bâtis. Premièrement, c'était Baroth. Donc là, c'est le lieu le plus élevé. N'est-ce pas? Et ça veut dire aussi que les gens peuvent, pour te détruire, ils peuvent faire des complots contre toi. Ils peuvent aller voir les gens qui sont plus élevés que toi sur le plan humain.
Mais Dieu, si tu crains Dieu, tu le crains, finira toujours par t'élever. Amen. Amen. Deuxièmement, Pisga, il y a plusieurs noms en fait, ça. Il y a plusieurs significations. Mais là, Pisga signifie littéralement division, fente. Balak a voulu, par la malédiction, diviser les Hébreux. Les diviser pour mieux régner. Telle est la manière dont que Satan utilise pour pouvoir détruire des foyers, des couples, notamment. Alors, et là, qu'est-ce qui se passe? Il lui dit, tu ne verras qu'une partie à cet endroit-là. Balaam dit à Balak, tiens-toi ici, près de ton holocauste, et j'irai à la rencontre de Dieu. L'Éternel vint au-devant de Balaam. Il mit des paroles dans sa bouche et dit, retourne vers Balak et tu parleras ainsi. Il retourna vers lui. Et voici, Balak se tenait près de son holocauste avec les chefs de Moab. Balak lui dit, qu'est-ce que l'Éternel a dit? Balaam prononça son oracle et dit, lève-toi, Balak, écoute. Waouh. Prête-moi l'oreille, fils de Tzipor. Dieu n'est pas un homme pour mentir, ni fils d'un homme pour se mentir. Ce qu'il a dit, ne le fera-t-il? Frère, ce que Dieu t'a promis, tant que tu le crains, dors en paix. Amen. Ne t'arrête pas sur les tempêtes. Peu importe les propos des médecins, si tu es malade, tant que tu craindras Dieu, frère, ne t'agite pas, ma soeur. Moi, je ne m'agite plus. Tu peux dire tout ce que tu veux. Je dors, je mange normalement, je prie, je loue mon Dieu et j'ai l'assurance. Je sais que, frère, un temps viendra quand Dieu dira c'est le moment. Tu seras surpris. Amen. Et là, tu vas changer le langage. Tu diras non, là, il a touché à la sorcellerie. Non, ce n'est pas la sorcellerie. Parce que pour beaucoup de chrétiens, quand ton frère est élevé, c'est la sorcellerie. C'est comme s'il n'y a que le diable qui peut élever les gens. Mais au-dessus de Satan, il y a quelqu'un qui est très élevé. Amen. On l'appelle El Elyon, le Dieu très haut. Et bientôt nous serons élevés. Amen. À la dernière trompette, à la septième trompette, on va partir, frère. On verra nos ennemis qui sont là, en train de souffrir. On le verra rester sur terre. Et voici, j'ai reçu l'ordre de bénir. Il y a quelqu'un qui donne l'ordre à chaque fois, frère. C'est-à-dire, oh, un homme peut signer un décret pour qu'on te tue. Mais si Dieu n'a pas validé ce que si, frère, il a effacé l'acte dans les ordonnances de condamner. Il a éliminé la croix. Connaissez son nom. Yeshua. On lui amène une femme surprise en plein flagrant délit d'adultère. Et on lui dit, Moïse a écrit qu'il faut lapider telle personne. Le maître se baisse, il écrit. Il est en train d'écrire une nouvelle histoire pour la femme. Maintenant donc, il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ et qui marchent selon la chair, mais selon l'esprit. Pas sur la terre, parce qu'il faut que les terriens lisent cela, frère. Ah, si c'est là ou là, on va pas monter, il faut que tu lises. Bon, ok. Tu comprends? Amen. Dieu est magnifique, mes amis. Vous aimez la parole, n'est-ce pas? Amen. Vous inquiétez pas, on arrive quelque part. Et il dit qu'il a reçu l'ordre de bénir. Il a béni. Je ne le révoquerai point, frère. Dieu a béni. Personne ne peut révoquer cela. Dieu t'a confié quelque chose. Personne ne peut l'enlever. Non. Ah. Quand on a eu des problèmes à travers là-bas, le monsieur, le maire, il voulait me tuer particulièrement. Frère, j'ai fléchi le genou, j'ai dit, Seigneur, c'est toi qui m'as appelé. Je sais en qui j'ai cru. Maire ou pas, je sais qu'un temps viendra où tu vas changer mon histoire. Frère, Dieu change ton histoire au nom de Yeshua. Amen.
Et toi, continue la marche. Alléluia. Il n'aperçoit. Alors ça me touche. Écoutez bien. Il n'aperçoit. On va les lire tous ensemble. À haute voix. Verset 21. De Nombre 23. 1, 2, 3. Il n'aperçoit point d'iniquité en Jacob. Il ne voit point d'injustice en Israël. L'Éternel son Dieu est avec lui. Il est son roi, l'objet de son allégresse. Oh! Voilà la raison pour laquelle Dieu ne pouvait pas permettre à ce que la malédiction atteigne ce peuple. Parce que, pour deux raisons. La première, il n'y avait pas de péché en son sein. C'est important de le savoir. De bien le souligner. La deuxième chose, Israël faisait de Dieu son allégresse. Fais de l'Éternel tes délices. Et il te donnera ce que ton cœur désire. Alléluia. Amen. Ça, c'est le secret que Dieu m'a révélé. Frère, tu peux prendre tout ce que j'ai. C'est pas grave. Tu peux prendre ce bâtiment-là, ça ne m'intéresse pas. Mais il y a une chose que tu ne peux pas prendre. C'est la sanctification, frère. Dieu en moi, Dieu en toi. Amen. Donc là, nous arrivons à un point quand même assez sensible. C'est-à-dire, Balak va réaliser quelque chose de. Balak et Balaam, les deux, vont réaliser quelque chose de très, très important ici. Ils vont comprendre que ce peuple, tant qu'il craignait Dieu, était intouchable. Voilà pourquoi dans le désert, Marie a pu prendre son tambourin, chanter les louanges de l'Éternel, adorer Dieu, parce que Dieu était leur allégresse. Dieu était, mes amis, leur délice. Et chacun adorait Dieu. Et Dieu était au milieu d'eux. Le tabernacle de l'Éternel était au milieu de ce peuple. Il y avait la Shekinah, la gloire de Dieu. Donc, personne ne pouvait toucher. En fait, ils ont découvert le secret de ce peuple. La sanctification. Il fallait maintenant s'organiser pour le sortir de là. Et Balaam dit, Dieu les a fait sortir d'Égypte. Il est pour eux comme la vigueur du buffle. Oh frère, va arrêter un buffle. L'enchantement ne peut rien contre eux. Jacob, ni la divination contre Israël. Autant marqué qu'il sera de Jacob, à Jacob et à Israël, quelle est l'œuvre de Dieu. Tant que tu craindras le Seigneur, l'enchantement ne peut rien contre toi. C'est pour cela que ma prière a toujours été celle-ci. J'aimerais dormir au milieu de 54 000 sorciers et de ronfler. Ah, touche-moi. Frère, quand tu crains Dieu un peu, là, c'est merveilleux. C'est délicieux parce que Dieu est avec toi. Amen. Écoutez ce témoignage. Hier soir, j'étais. Après le programme, je suis rentré, j'étais là, je dis Seigneur, mais vraiment là. Oh, mais comment ça se passe un peu là? J'ai besoin d'autre chose avec toi encore. Je ne suis pas satisfait. Est-ce que tu es encore là? Avec moi? C'est comme ça que je suis avec mon papa. Je dis, en tout cas, il faut que tu me parles, parce que là, je savais qu'il allait me parler. Je sais comment ça se passe avec lui. Frère, je voulais me coucher. Seigneur, tu te couches. Alors, j'ai prié jusqu'à tard, 4 heures du matin, comme ça. Je me recouche un peu. Mes amis, à 9 heures comme ça, là, quelqu'un m'envoie un SMS pour me dire, une prophétesse, une femme que je respecte beaucoup, je te dirai son nom, je le parle beaucoup, elle dit, j'ai eu une vision dans laquelle je t'ai vu marcher déterminé. Tu ne t'occupais même pas de ce qui se passait à gauche, à droite. Tu fonçais, tu savais où tu allais. Et j'ai entendu, dit-elle, j'ai entendu une voix, la voix de Dieu qui me disait, voici le messager que j'agrée. C'est, waouh! Frère, elle dit, je ne sais pas, quand je me suis réveillé, Dieu m'a dit de t'appeler pour te le dire. Je dis, oh, Saint-Esprit. Vraiment, là, tu es magnifique. Donc, le message, là, je veux encore aller plus fort encore. Frère! Non, vous ne vous rendez pas compte.
Sion, c'est la crainte de Dieu, frère. Nous dit Esaïe. C'est pour ça que le jour où je n'aurai plus la crainte de Dieu, Dieu va me tuer. Et s'il ne m'aurait pas fait cette fois-là, je vous lâche, je pars. Je quitte la France. Je vais partir, je ne sais pas, en Australie ou au Canada, je ne sais pas où. De toute façon, je ne pourrais même pas prendre l'avion parce que j'ai peur de turbulences. Donc du coup, tu es obligé de partir au ciel plutôt. Si tu vas faire quoi sans Dieu? Sans la crainte de Dieu, tu fais comment? Tu fais comment? Alléluia! Frère, le nombre de gens qui font la sorcellerie contre moi, vous ne vous rendez pas compte. Hein? Il y a des pasteurs satanistes qui prient pour que je tombe, pour que je meure physiquement. Donc maintenant, n'ayez plus la crainte de Dieu. Si nos églises sont si malades, c'est parce qu'il y a très peu de gens qui craignent Dieu. Si la sorcellerie arrive à atteindre beaucoup de chrétiens, c'est parce qu'il n'y a plus la crainte de Dieu. On voit dans les chorales des homosexuels qui chantent, des hommes efféminés. On voit, mes amis, des lesbiennes dans la chorale, dans les chorales. On voit des cupides, des gens qui partent, qui passent, qui prêchent matin, midi, soir sur l'argent. Comment voulez-vous faire que les sorciers ne puissent pas détruire les chrétiens? Vous savez le nombre de chrétiens qui nous prient, pour qui nous prions pour la délivrance, qui sont possédés dans les églises, alors qu'avant de se convertir, il n'y avait pas autant de démons dans leur corps. Une fois dans leurs assemblées, la convertie, frère, non à Dieu, plutôt au pasteur, au bâtiment, ils ont amassé les démons comme pas possible. Vous savez comment les pasteurs qui adorent Lucifer? Oh, même chez nous ici, il y a beaucoup de sorciers qui viennent nous visiter. Il y en a beaucoup. La dernière fois, il y en a une qui a confessé. On l'a eu au bureau, elle a dit. Elle avait pour mission de manger, de tuer, de sacrifier le pasteur et sa femme, le pasteur, le couple pastoral qui les a hébergés, les frères qui sont avec nous. Ah oui, frère, croyez quoi? Combien parmi eux ont fait tomber les gens ici? Ouvrez les yeux, commencez à comprendre les choses. C'est le même principe qui se passe. Vous les jeunes ministères, vous qui voulez servir le Seigneur, vous qui avez reçu l'appel, l'onction, vous qui avez encore un peu le témoignage là, mais vous croyez que comment ça se passe? C'est la même chose ici. Pendant que vous exercez là, vous subissez des pressions au niveau de l'esprit, vous ne comprenez pas. Qu'est-ce qui se passe? Je ne comprends rien. J'ai l'impression que ma tête va exploser, que je deviens fou. Ben oui, il se passe des choses dans les coulisses, dans le monde spirituel. Il y a des réunions qui sont faites, organisées autour de ton nom. Satan peut faire des projets sur ta vie, sur ta mort, ta chute, avec une femme dans la cupidité et l'orgueil. Il peut s'organiser, il peut travailler sur toi pendant 20 ans. Il ne lâche pas la fin. Hein? Ah oui, frère. La marche, là. Les Hébreux ont eu pendant leur marche dans le désert, ils ont eu 33 stations. C'est-à-dire, il y a eu des moments où il fallait s'arrêter pour se reposer. Dans la marche, là, il faut apprendre à se retirer, à se ressourcer. C'est important. Disparaître. Parfois les gens ont du mal à me joindre, mais on n'arrive pas à le joindre, on ne le voit pas, frère. Laisse-moi tranquille. Laisse-moi là. Comme un véhicule, hein, vous l'utilisez, là, il faut l'amener à une station-service. Parce que le plus important, ce n'est pas le ministère. Hein, c'est ta relation avec le Seigneur qu'il faut travailler. Ah oui. Si tu vois que le ministère commence à te tuer, alors retire-toi. Assis-toi. Sois suffisamment honnête parce qu'il est question de ton éternité. Alors, le péché. Ils ont trouvé la force de ce peuple. C'était la sanctification. Balak dit à Balaam, ne le maudis pas, verset 25, mais du moins, ne le bénis pas. Balaam répondit et dit à Balak, ne t'ai-je pas parlé ainsi, je ferai ce que l'Éternel me dira. Balak dit à Balaam, viens donc, je t'amènerai dans un autre lieu. Peut-être que Dieu trouvera-t-il bon que de là tu me maudisses ce peuple. Son problème, c'était seulement la malédiction. Oh oui, frère. C'est tout. Balak mena Balaam sur le sommet du Péor, en regard du désert. Péor, c'est le troisième lieu où on a bâti encore sept autres, n'est-ce pas, hôtels. Péor signifie ouverture. Pisga
Ces divisions. Péor. C'est ouverture. Une brèche. Ce que l'ennemi cherchera dans ta vie, c'est de faire une brèche, c'est tout. Dans ma vie, c'est d'avoir une brèche. Que tu ouvres une petite brèche. Que tu ouvres un peu la porte. Voilà pourquoi, frère, la parole dit qu'il faut veiller. Oh oui, on ne doit pas, en tant que chrétien, donner une petite, ne serait-ce qu'une petite occasion à l'ennemi, parce que c'est là qu'il va s'engouffrer. Pierre nous dit dans 1 Pierre 5:8, veillez et priez car votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il le dévorera. C'est pas manger, c'est dévorer avec appétit. Beaucoup de gens, beaucoup de ministères même que j'ai formés, ont cru que Satan était leur copain. C'est que le piège dans lequel beaucoup tombent aussi, parce que les habitudes, le fait de s'habituer avec eux, ils oublient qu'il y a quand même un peu de l'expérience chez certains, les aînés. Alors parce qu'on prêche, l'onction se manifeste, on dit non, maintenant on comprend les choses comme frère. Attention. Attention. Et être à l'écoute là, c'est nécessaire, frère. Ma soeur. Une brèche. Tant que la porte est fermée, il ne peut pas te toucher, l'ennemi. Même dans ton couple, tant que la porte est fermée, l'ennemi ne peut pas s'engouffrer. Mais si tu ouvres une brèche, problème de haine, péché, tu caches quelque chose, même si c'est un petit machin, tout ça là. Mais quand tu, dans le couple, tu trompes ta femme, il faut lui dire toute la vérité. Chérie, je te trompais, prie pour moi. Mais quand tu caches ça, tu cajoles, Satan est déjà à l'intérieur. C'est comme si tu veux couvrir une plaie avec un plâtre, avec du plâtre. Ça va pourrir. Oh oui! Une brèche. J'ai vu des églises détruites parce qu'il y avait, d'abord l'ennemi est venu, il a utilisé le Bamoth, le lieu le plus élevé, les gens qui sont très élevés, même sur le plan politique, pour détruire l'église. S'ils n'ont pas réussi, hop, on mettra la division, on cherchera la division. Vous voyez la division, comment ça se passe dans la marche chrétienne? On l'a dit hier, hein? Mon frère, le frère t'a critiqué, mais ne dis pas que c'est moi qui te le dis. Non, ça c'est la division. Tu peux lui dire c'est moi qui te le dis, et s'il ne te croit pas, on fera la confrontation comme la parole le dit. La lumière est là. Voyez mes amis comment. Il ne faut pas qu'il y ait de brèche. Ah non. Et puis, ouverture. Parce que la malédiction pour frapper ce peuple, il fallait qu'il y ait soit une division, ou soit une ouverture pour pouvoir rentrer. Parce que la malédiction, à la base, c'est un démon. Ce sont des paroles qui sont libérées et qui, mes amis, donnent des droits légaux aux démons de nous atteindre. Il y a des maladies que les gens ont. Il y a des maladies qui sont d'origine démoniaque, frère. La sœur qui souffrait depuis quelques années, là, depuis des années, qui n'arrivait pas. Ça faisait 3 ans qu'elle n'arrivait pas, qu'elle avait du mal à. Elle n'arrivait même pas à soulever son bras. On l'a vu hier comment Dieu l'a guéri. Un homme à Bruxelles est venu me voir, elle me dit, avec sa femme, ils me disent, cet homme me dit, je suis aveugle, je ne vois rien, parce que j'étais dans une assemblée, et cette assemblée, dans le combat, tout un combat spirituel, et un jour, j'ai senti comme du sable dans mes yeux, il a été envoûté, quelqu'un qui fait partie de cette assemblée, lui a jeté un sort, et depuis, ses yeux se sont abîmés, et il est devenu aveugle, et là, en priant, il a été délivré, et il met le Seigneur de la restaurer. Commencer à voir. Je l'ai revu à Liège. Sa femme me donnait encore son témoignage. Je disais vraiment que Dieu soit béni pour mon mari à la maison. Maintenant, tout va bien. Il fait tout seul. Voyez. Et il y a plein de maladies comme ça d'origine mystique. Hier, vous avez vu la femme, la soeur, notre soeur. Quand le démon s'est manifesté, il a été chassé et automatiquement, elle a recouvré la santé. Voyez. Donc, il y a beaucoup de gens qui sont malades. Ils ont des maladies bizarres, que la médecine n'arrive pas à soigner. Mais ce sont des maladies d'origine mystique, frère. Les démons, ça existe. Tout ce qu'ils cherchent, c'est de vous atteindre. De nous détruire. Et c'est le même principe, frère, ici. La même chose, c'est la marche. Hein. Ils marchaient vers Canaan. Mais il y avait plein d'obstacles sur la route.
obstacles, des embûches, des combats, des épreuves, des maladies avec des noms bizarres. Vous trouvez ça logique, frère? Il y a des démons qui sont là. Il y a eu des brèches, il y a eu des ouvertures dans nos vies, dans nos foyers. Tout le monde ici n'est pas chrétien. Tout le monde ici n'est pas de Dieu. Vous avez des gens qui sont utilisés par l'ennemi pour détruire les autres simplement. Pour aller dans les assemblées afin de les détruire. C'est tout, les détourner de Dieu. Maintenant, il fallait une brèche. Et là, il fallait trouver une ouverture. Et là, on nous dit, Balaam vit que l'Éternel trouvait bon de bénir Israël et il n'alla point, comme les autres fois, à la rencontre des enchantements. Mais il tourna son visage du côté du désert. Balaam leva les yeux et vit Israël campé selon ses tribus. Alors l'Esprit de Dieu fut sur lui. Et là, il bénit, il bénit, il bénit, il bénit, il bénit. Et au verset 10 de Nombre 24, la colère de Balak s'enflamma contre Balaam. Il frappa des mains et dit à Balaam, c'est pour maudire mes ennemis que je t'ai appelé. Et voici, tu les as bénis déjà trois fois. Dis à ton voisin trois fois. Trois en hébreu, chez les hébreux, est le nombre de l'accomplissement. Oh oui. Trois. Trois fois, Balaam a béni ce peuple. Ils ont perdu combien d'animaux? 14 fois 3. 42. N'est-ce pas? Brebis. Il y a des gens qui vont perdre de l'argent, ils vont perdre tout ce qu'ils possèdent, tout simplement parce qu'ils t'ont touché. Tu dois le savoir, toi qui crains Dieu. C'est pour cela, mon frère, si ta femme commence à craindre Dieu, fais attention, si tu la fais souffrir, Dieu peut te tuer. Je vous dis, hein? Vous croyez quoi? Une femme qui craint Dieu et que tu fais souffrir matin, midi, soir, si elle gémit une fois, deux fois, trois fois, mais ta vie est bloquée. Un homme qui craint Dieu, toi tu le fais souffrir. Mais quand il gémit seulement comme ça, ta vie est foutue. Les gens ne le savent pas. Alléluia. Amen. Oh oui, frère. Voilà pourquoi il faut chercher la paix. Oh oui. Je ne sais pas où tu mets ta main. Oui, mais c'est ma femme. Oui, mais ta femme, il y a quelque chose de nouveau sur elle. Oui, mais c'est mon mari, je le connais depuis longtemps. Oui, mais ton mari commence à craindre Dieu. Fais attention là. Tu vas perdre tes brebis là. Et là, on nous dit, qu'est-ce qu'on nous dit, frère? Regardez ce qui se passe. On va finir bientôt. Le verset, on va prendre maintenant Nombre 30, 31. Verset 16. Voici, ce sont elles, donc les Moabites, qui, sur la parole de Balaam, ont entraîné les enfants d'Israël à l'infidélité envers l'Éternel dans l'affaire de Péor. Et alors éclata la plaie dans l'assemblée de l'Éternel. Waouh! Donc Péor, ça veut dire qu'ils ont réussi, Péor, ils ont réussi à faire une ouverture dans l'assemblée, dans l'église des Hébreux. C'est fort, hein? Péor a réussi à rentrer. Une brèche a été faite. Et qu'est-ce qui s'est réellement passé? En fait, Balaam a compris que Dieu ne pouvait pas, n'arrivait pas, ne voulait pas plutôt à maudire ce peuple parce qu'il le craignait. Alors Balaam a conseillé, parce qu'il voulait des honneurs, il a donné un conseil à Balak. Il lui a dit, tu as des belles femmes moabites. Alors, voilà le conseil que je te donne. Comme on n'arrive pas à les maudire, envoie ces belles filles séduisantes séduire les Hébreux. Comme
pas les maudire. Maintenant, il faut, tu peux les atteindre par la séduction, par la ruse. Ça, on ne voit pas forcément venir la séduction avant que Dieu ouvre les yeux. Parce que sinon, la séduction ne serait plus séduction. Vous voulez être un bon poisson, si vous lui montrez l'hameçon, il va fuir. Même s'il n'a pas mangé pendant 100 ans, depuis 100 ans, s'il voit l'hameçon, il dit non, mon coco, quand même, mon coco, toi aussi. Tu me prends pour qui? Alléluia. Mais tu prends un ver de terre en bonne santé et tu le, voilà, tu caches l'hameçon. Je vous assure, le poisson, quand le ver de terre va commencer à bouger, nanana, à danser, parce qu'il veut se sauver, le poisson va, oh, il va sentir l'odeur du sang. Frère, il ne va même pas à réfléchir. Est-ce qu'il y a un bins quelque part? Est-ce qu'il y a un piège? Non, il va, bam, il va mort. Voilà la séduction. Quand Satan, mes amis, a séduit Ève, on connaît l'histoire, hein, dans Genèse 3. Ève passait devant l'arbre de vie. Il fallait, devant l'arbre de la connaissance du bien et du mal. L'arbre de la connaissance du bien et du mal était à côté de l'arbre de vie. Donc Ève et Adam mangeaient tous les jours l'arbre de vie. Donc ils passaient devant l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Mais ils ne s'arrêtaient pas dessus. Mais ce jour-là, Satan nous dit, Ève, arrête-toi deux secondes. Il faut que tu considères cet arbre. Et elle a dit qu'elle a vu que l'arbre était bon. Agréable à la vue, bon à manger et précieux pour ouvrir l'intelligence. Hein? Mais Satan n'a pas dit à Ève que dans ce fruit, il y avait l'homosexualité. Il y avait le lesbianisme. Il y avait la guerre. Il y avait le racisme, le tribalisme. Il y avait, mes amis, le sida, le cancer. Il lui a caché tout ça. Il a masqué toutes ces choses-là par la beauté apparente de ce fruit. Le problème était quoi? Que Ève tout seulement croque. Et quand elle a croqué, ah! Trop tard, séduction. Tu vois une belle femme qui vient, chérie, je t'aime, mon bien-aimé. Mais moi, oh lolo, oh, c'est vrai que tu es belle, tout ça. Mais on ne te montre pas que derrière ça, il y a le divorce qui t'attend, parce que tu es marié. Il y a des enfants qui seront ballottés ici et là. On ne te montre pas qu'un autre homme peut venir demain pour aller avec ta femme et que tes enfants peuvent aussi l'appeler papa. Il y aura deux papas. Tu vas partager l'amour de tes enfants avec un autre homme, un étranger. Tout ça, on ne te le montre pas. Hein? On ne te montre pas que tu peux avoir le sida, le communiquer à ta femme, et ta femme, elle peut aussi le transmettre aux enfants. Vous voyez les conséquences? Tout ce que tu as construit avec ton mari, ta femme, tes enfants, tu vas tout perdre. Tout ce que tu as construit avec le Seigneur, la souffrance depuis des années, tu vas tout perdre. Pourquoi? Pour un petit plaisir de 5 minutes. Tu vas perdre toutes ces années de souffrance du ministère, pourquoi? Pour des feuilles, pour des papiers, pour du papier, pour 1 euro, pour quoi? 3 000 euros, 4 000 euros, 10 000 euros, 5 000 euros, pourquoi? Est-ce que ça vaut la peine? Pourquoi un iPad? Pourquoi un iPhone? Mais le fondateur d'iPhone est décédé, frère, sans Jésus. Cancer. Pourquoi il n'a pas trouvé, mes amis, un antivirus? On peut acclamer Jésus, frère. Amen. Alléluia. Si c'était un virus, tu avais touché selon. Vous savez, ce monsieur a créé un ordinateur, hein, Apple, qui, mes amis, est quand même assez solide, hein, il n'y a pas de virus. Hein. Mais, Satan, Dieu, c'est comme si Dieu lui dit, tu vas voir ton corps, par contre, tu ne peux pas le porter les virus. Virus du sida. Seul mon sang peut te protéger parce que mon sang est comme mes amis, n'est-ce pas? Un antivirus. Là, pas de cancer. Vas-y maintenant. Voilà la vie, on n'est rien. Rien.
nombre 25, on va finir là. Dans nombre 25, regardez ce qui s'est passé ici, frère. Israël demeurait à Sittim. Et le peuple commença à se livrer à la débauche avec les filles de Moab. Elles invitèrent le peuple au sacrifice de leur Dieu. Et le peuple mangea et se prosterna devant leur Dieu. Israël s'attacha à Baal Péor. Et la colère de l'Éternel s'enflamma contre Israël. Et là, mes amis, il y a eu 24 000 morts. Verset 9. 24 000 morts. Et ces filles ont eu les Hébreux par la ruse, c'est-à-dire par le charme, littéralement. Elles ont charmé les Hébreux. Vous savez, quand Satan veut te faire tomber là, tu seras charmé. Oh oui. Oh, j'ai vu des femmes qui commençaient à me charmer. Oh, oh, vraiment. Oh, j'ai reçu une vision. Tu as reçu quelle vision, toi? Quelle autre vision que celle que ma maman a déjà reçue hein, il y a 16 ans de mariage? Alléluia! La vision est puissante. Le charme. Oh oui, tu sais. Oh, tu es mon père spirituel. Voilà, mais là, je te dirais, il y a un seul père spirituel sur le ciel. Il y a un choix. Oui, je suis ton père de la foi, certainement, mais quand même, là, il faut juste. Le charme. Mes soeurs, vous qui venez un peu de vous marier, là, vous veillez sur vos maris. Ils sont encore tout jeunes. Ils sont encore très grands. On veut les croquer facilement. Alléluia. Amen. La séduction. La séduction, mes amis. Écoutez, le chemin est long. Hein? Tu as quel âge? 30 ans. Il te reste encore 50 ans de vie sur terre. Alors imagine-toi maintenant, il te reste 50 ans de vie sur terre. Tu crois que pendant 50 ans, Satan va croiser les bras? Il t'enverra des métis, des arabes, des noirs, des chinoises, des indiennes, de tout, antillaises, africaines, américaines, canadiennes. Donc il faut faire, tu vas faire face à toutes ces nationalités. Il t'enverra des riches, il t'enverra de tout. Maintenant il faut au travail. Oh, une nouvelle collègue qui vient d'arriver. Elle s'habille, elle a du charme, elle parle bien. Oh, c'est ma nouvelle collègue. Oh, c'est mon nouveau collègue. Ah, vraiment. Oh, mon patron. Ah, ma patronne. Mes amis. Où allez-vous? Les maudites frères. D'ailleurs, ce sont des femmes. À la base, c'est déjà, la semence de cette nation est déjà maudite, frère. L'inceste. Alors, imaginez un peu. Les Moabites. Oh, frère. C'était des femmes terribles. Oh, Judas, comment vas-tu? Et voilà Judas qui craignait Dieu, Judas qui fait une brèche. Oh, c'est vrai, la débauche. Et vous savez, la Bible nous dit que il y a eu quoi? Il y a eu la débauche, donc par la ruse, la séduction, la tromperie. Et les Hébreux ont commencé à adorer Baal. En fait, littéralement, il y avait des orgies sexuelles. Le culte de Baal d'Astarté, mes amis, comme vous le savez, mes amis, se pratiquaient. En fait, il y avait des orgies lors de la pratique de ce culte. Et là, les Hébreux étaient à genoux devant des faux dieux. Vous vous rendez compte, frère? Ils ont commencé à adorer le faux dieu, à pratiquer, mes amis, toutes sortes de péchés, le lesbianisme, l'homosexualité, la débauche. Ils ont suivi le chemin de Balaam. Et là, une brèche était faite. Maintenant, le souhait de Balak était un tout petit peu quand même, mes amis, exaucé. Cette fois-ci, ce ne sont pas les démons qui ont frappé, c'est Dieu qui a frappé. C'est pour ça la seule chose véritable que tu possèdes, ce n'est pas ta voiture, ce n'est pas une richesse. Selon le monde, oui. C'est la crainte de Dieu, mon ami. Oh, beaucoup de chrétiens ne comprennent pas cela. Psaume 106, 28. Est-ce que quelqu'un peut nous le lire? All together, lovely. All together. Oh, all together. Wonderful to me. You are doing.
Quelqu'un peut le lire? You are in the world. Ça, c'est 6. 28. Il envoyait les ténèbres et amena l'obscurité. Quelqu'un l'a trouvé pour le lire à haute voix, s'il vous plaît? Ils s'attachèrent à. Ok, ensuite? Mangèrent des victimes sacrifiées aux morts. Donc en fait, la voix de Balaam les a conduits à l'évocation des morts, au culte des morts. Comme dans beaucoup de religions, on invoque les morts. Marie, mère de Jésus-Christ, homme, a rempli une belle mission. C'est vrai. Elle a reçu un appel particulier. Mais Marie est décédée comme les apôtres. Marie attend la résurrection des morts. Comme Pierre, comme Jacques et Jean. Il n'y a pas eu l'assomption. Mais si vous l'invoquez, frère, c'est grave. Vous voyez ce qu'ils ont fait ici? L'évocation des morts. Dieu dit dans Esaïe 19. Si l'on vous dit d'évoquer les morts, répondez, un peuple ne s'adressera-t-il pas à son Dieu directement? Parlera-t-il aux morts en faveur de vivants? Vous n'avez pas vu que tous les saints catholiques, la plupart sont européens? Vous avez déjà vu frère, où sont les saints noirs, les saints chinois, indiens? Dieu est-il le Dieu seulement d'Européens, frère? Non! Il n'y a ni juif, ni grec, ni homme, ni femme. Tous sont un à Jésus. Alléluia! Quelqu'un m'entend-tu ce soir? Alléluia! Pour un Dieu! Le peuple a commencé à évoquer les morts. Oh, ma tante qui est décédée, prie pour moi, frère. La Bible dit un seul Dieu et aussi un seul médiateur entre Dieu et les hommes. Et ce nom, c'est Yéhoshua Abashia. Alléluia! Ta tante ne peut plus rien pour toi. Simon Pierre ne peut rien pour toi. Il y a un seul qui était mort et qui est revenu de la mort. Son nom, c'est Yéhoshua Abashia. Il est homme. Il est la résurrection et la vie. Vous voyez la doctrine de Balaam, il y a la débauche, l'idolâtrie, bien sûr, la débauche physique, l'idolâtrie. Quelles sont les choses pour toi qui constituent une idole? Quelles sont les choses auxquelles tu es lié, dont tu as du mal à te passer? Quels sont les hommes auxquels, n'est-ce pas, tu es fortement attaché et dont tu as du mal à t'en défaire? Ton mari, ta femme, tes enfants, la nourriture? Marche chrétienne, l'ennemi ne te laissera pas tranquille, frère. Oh non! Voilà pourquoi beaucoup de chrétiens baissent facilement les bras. Parce qu'ils subissent des pressions, ils se disent non, là j'en peux plus. Je dois baisser la garde. Parce que c'est trop dur la vie chrétienne. Tu n'as pas encore compris, non? Tu n'as pas encore compris, mon ami. L'enjeu est grand. L'enjeu est mes êtres spirituels. Il est question de ton éternité ici. Oh oui! Et le salut est d'abord personnel. Frère, c'est de ton cœur dont il est question. Tu dois te sauver toi-même. Oh non, mais moi je préfère suivre les gens du monde. Ah bon? Nous sommes étrangers. 1 Pierre 2 nous le dit. Et voyageurs sur la terre, frère. Un voyageur est un pèlerin. Un voyageur, mes amis, ne reste pas sur place. Tels les pionniers qui allaient, mes amis, qui ont conquis les États-Unis, l'Amérique. Ils n'avaient pas trouvé de l'or, ils ne se reposaient pas, frère. Ils franchissaient des grands obstacles parce qu'ils cherchaient de l'or. Et dans Esaïe 33, 6, il est dit, mes amis, la crainte de l'Éternel, c'est là le trésor de Sion. Voilà le véritable trésor que j'aimerais te, mes amis, te révéler ce soir. La crainte de Dieu, c'est quoi la crainte de Dieu? Elle a disparu dans nos cœurs, elle a disparu dans nos églises, frère. La crainte de Dieu, c'est ce saint respect que l'on a de lui. C'est de la révérence. Craindre Dieu, c'est, mes amis, vivre comme la parole nous le dit dans le quotidien. Craindre Dieu, c'est avoir un même langage, à gauche, à droite, à gauche, partout, le même langage. Craindre Dieu, frère, c'est le refus de se souiller, quelle que soit la pression. Frère, non,
Je vous le dis de plus en plus. À l'heure actuelle, écoutez-moi bien, frère, s'il vous plaît, de la part du Seigneur, je ne vous recommanderai aucune église. Jamais. Je ne suis pas là, Dieu m'a dit, je ne suis pas là pour faire la pub des églises, même les églises qu'on a implantées. Je ne vous recommanderai aucune église. Mais je vous parlerai toujours du royaume de Dieu. Je vous dirai ceci. Si un des ministères qui travaille avec moi vous amène plus à le suivre, lui, quittez-le. Nous sommes à la fin de temps, frère. Quelqu'un qui ne te parle pas de la crainte de Dieu, par la prédication et par sa vie sanctifiée, quittez-le. Oh oui. Sauvez-vous de cette génération perverse et corrompue, frère. C'est clair. Jean a vu Jésus passer devant lui. Il dit à ses disciples, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Et la Bible dit que les disciples de Jean ont suivi Jésus-Christ de Nazareth. Vous n'avez pas été délivrés pour devenir nos proies, pour devenir nos serviteurs, nos servantes. Vous avez été délivrés à la croix pour que vous présentiez Yéhoshua à Machia. Maintenant, si quelqu'un veut s'accaparer de vous, frère, quittez-le. Amen. Toutes les églises dont on a implanté la sœur m'invite là, je vais de plus en plus dénoncer des choses. Je suis de plus en plus solitaire, je crie. Parce que je sais que les temps sont courts, mon temps est court. Je dois crier, alerter, avertir, frère. Parce que Yéhoshua est en train de revenir, frère. Vous voulez vous accaparer des âmes, vous aurez des comptes à rendre au Seigneur. Et les vrais ministères qui craignent Dieu, vous le verrez par leurs fruits. Parce que vous ne savez de mon nom. On travaille avec le frère Chora et derrière on fait autre chose. On fait autre chose. On dit non, non, on est ensemble. On n'est pas ensemble. Je ne suis pas là. Dans les bêtises des gens, frères, je refuse ça au nom de Yéhoshua. Et Dieu ne me demandera pas vos sangs. Parce que je vous dis des choses hautes, mais fort. Au nom de Yéhoshua. Jamais. Finé. Ici, quand il a vu le peuple de la compromission, finé. Il a pris une épée. Mes amis. Il a défendu l'Éternel. Il a arrêté la plaie qui frappait le peuple. Et Dieu l'a récompensé. Il est animé du zèle de l'Éternel. Où sont ces femmes zélées? Où sont ces hommes zélés qui savent ce qu'ils veulent, frère? Et qui disent non à la compromission, non au mensonge. Et qui disent non au monde. Dieu m'a dit, je t'ai donné à mettre en place une radio de vie. C'est pour crier. Va là-bas, crie. Mon peuple entendra le son de la trompette. Crie. Et ceux qui sont les assemblées là, qui sont manipulés, frère, ils vont entendre la vérité. Vous ne pouvez plus cacher la vérité aux gens. Vous, que vous le vouliez ou pas, le peuple suivra la voix, écoutera la voix du maître. Le Seigneur a dit, mes brebis entendent ma voix et elles me suivent. Elles ne seront pas un mercenaire, un étranger. Vous ne pouvez pas tromper un enfant de Dieu. Vous pouvez le tromper pendant un à deux ans. Mais un temps viendra. Dieu va ouvrir ses yeux et il verra la vérité, frère. Au nom de Yéhoshua. Dieu m'a dit, il faut que le peuple se réveille. L'épouse doit se réveiller parce qu'il n'est plus loin. Il n'est plus loin, cette génération est perdue. Elle est perverse, elle est malade. Il y a des familles qui sont brisées, des familles chrétiennes qui sont brisées, qui divorcent. Pourquoi? Parce que la marche, mes amis, dans leur marche, ils ont subi des attaques, la pression de l'ennemi. Mais, il y a eu des hommes qui ont fini. Nous sommes dans ce temps-là, justement, frère, où Dieu est en train de se souvenir de finir. Finir. Oh mes amis, il a pris l'épée. L'épée c'est la parole prophétique. Voilà pourquoi tu vas prendre une épée. Tu as déjà l'épée dans ta main. Tu vas de plus en plus l'aiguiser dans la prière. Tu vas prendre ton épée et te lever maintenant et aller commencer à combattre, à défendre la sainte doctrine au nom de Yéhoshua, en prêchant avec la sanctification, frère. Les âmes seront délivrées avec l'épée de la parole de Dieu. Tu vas briser les chaînes de la mort. Tu vas renverser les forteresses. Tu vas briser les chaînes de la ténèbres et tu vas libérer le peuple d'Israël des armées. T'es une véritable guerrière, une femme, femme de feu, femme de prière, homme de valeur. Tu te leveras pour Adonai et tu vas proclamer son retour. La trompette va retentir, car le maître Yéhoshua Amashia est en train de revenir, et un peuple se prépare, un peuple qui n'a pas fléché les genoux devant Baal, un peuple qui n'a pas fléché les genoux devant le sexe, devant la cupidité, devant l'argent moulé, frère, des hommes et des femmes que Dieu a mis à part. Dieu est en train de le préparer, de le sanctifier davantage, mon ami. Oh oui, ils ont pris l'épée de l'Éternel des armées, à l'instar de Finé. Et vont arrêter, mes amis, le jugement.
Dieu va servir de promener le jugement de Dieu sur les nations. Oh mes amis, comme les deux témoins, Dieu veut vous servir de quelqu'un ici pour que tu puisses te lever et parler la parole de l'Éternel, les amis. Voilà pourquoi tu reçois des paroles prophétiques depuis quelque temps. Voilà pourquoi tu reçois des paroles prophétiques depuis quelque temps. Tu reçois des visions de songes. Dieu te parle en songe, en vision, parce qu'il te prépare pour la moisson de temps de la fin. Il te prépare pour cette grande moisson